Il était l'homme derrière le trône, le confident du tsar et l'énigme qui a défié l'histoire. Bienvenue dans un voyage fascinant à travers les mystères de la Russie impériale, où la magie, la politique et le destin se sont entremêlés pour donner naissance à l'une des figures les plus énigmatiques de tous les temps. Vous êtes sur Obscurité Légendaire, et voici une plongée fascinante dans la vie de Raspoutine, le conseiller mystérieux du tsar. Au cours de cette vidéo, nous explorerons en profondeur la vie et l'influence de Grigori Raspoutine, un personnage qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire russe. Préparez-vous à un voyage captivant à travers le temps et la complexité de la Russie impériale. L'histoire de Raspoutine commence dans les vastes étendues de la Sibérie en 1869. Né dans le village de Pokrovskoï, Grigori Lefimovitch Raspoutine a grandi dans un environnement qui défie l'imagination. La Sibérie était alors une terre de défis, de rudesse et d'isolement. La famille de Raspoutine était humble, mais sa mère, fervente croyante, a joué un rôle déterminant dans son éducation religieuse. Dès son plus jeune âge, il était immergé dans la foi orthodoxe russe, une foi profonde et mystique. Très tôt, Raspoutine a ressenti une connexion profonde avec la religion. Il a entrepris des pèlerinages parcourant les monastères et les ermitages russes pour nourrir sa foi. Ses années d'errance spirituelle ont jeté les bases de son ascension future. Vers l'âge de 18 ans, Raspoutine a quitté la Sibérie pour se rendre en pèlerinage en Terre Sainte. Ce voyage a été un tournant majeur dans sa vie, le plongeant encore plus profondément dans la spiritualité. Il faut savoir qu'à l'époque de Raspoutine, la Russie était confrontée à une situation géopolitique complexe et tendue. La Russie était dirigée par le tsar Nicolas II, dont le règne était marqué par des troubles politiques, des tensions sociales croissantes et des inégalités criantes. La population russe était mécontente de la manière dont le pays était gouverné, ce qui mena à la révolte de 1905, marquée par des manifestations de masse, des grèves et des affrontements violents. Bien que la révolte ait été réprimée, elle avait créé un précédent de contestation populaire. En effet, à l'époque de Raspoutine, des mouvements révolutionnaires gagnaient en force en Russie. Les idées socialistes et communistes gagnaient du terrain, avec des groupes activistes tels que les bolcheviks qui cherchaient à renverser le régime tsariste. Mais comment un homme venu de si loin est-il devenu le confident et le guérisseur du tsar Nicolas II et de l'impératrice Alexandra? La réponse réside dans les circonstances troublées de la Russie au début du XXe siècle. En effet, en 1907, Raspoutine entre en contact avec Alexandra Fedorovna, épouse du tsar Nicolas II, marquant le début de son influence à la cour impériale russe. Raspoutine a attiré l'attention de la famille royale en raison de ses prétendus pouvoirs de guérison. Le tsarevitch Alexis, souffrant d'hémophilie, était au centre de ses préoccupations. On disait que Raspoutine pouvait soulager ses crises. On prétend qu'il aurait pu aider à apaiser ses souffrances physiques. Sa proximité avec la famille impériale s'est renforcée au fil des années. Sa personnalité charismatique, son aura mystique et ses soi-disant dons de prophétie en ont fait un personnage influent à la cour. Aussi, certains rapports suggèrent que Raspoutine avait la capacité d'hypnotiser les personnes, les plongeant dans un état de transe ou de soumission. Raspoutine était également connu pour son charisme et sa capacité à influencer les décisions des puissants de la Russie, y compris la famille impériale, ce qui a suscité des critiques et des intrigues à la cour. Cependant, la montée en puissance de Raspoutine n'a pas été sans controverse. À mesure que la Russie s'enfonçait dans la Première Guerre mondiale, la présence de Raspoutine à la cour a exacerbé les tensions politiques et sociales. Il a survécu à plusieurs tentatives d'assassinat, dont l'une impliquait empoisonnement, noyade et même des tirs, ce qui a contribué à renforcer la croyance en ses pouvoirs surnaturels. Les circonstances mystérieuses entourant ces événements ont alimenté les rumeurs et les théories du complot. Raspoutine était également critiqué pour son mode de vie débauché, ce qui a nui à la réputation de la monarchie russe déjà chancelante. Raspoutine était connu pour sa consommation excessive d'alcool. Il buvait régulièrement et en grande quantité, ce qui contribuait à sa mauvaise réputation. Il était souvent invité à des soirées privées où le comportement était débridé. Certaines de ses fêtes étaient décrites comme orgiaques, avec de l'alcool à profusion et des comportements sexuels scandaleux. On lui prêtait des relations intimes avec de nombreuses femmes, y compris certaines de la noblesse russe. Ces liaisons contribuaient à sa réputation de séducteur. Il est indéniable que Raspoutine était au cœur de nombreuses intrigues politiques. Certains l'accusaient de manipuler le tsar et l'impératrice pour servir ses propres intérêts. Le 29 décembre 1916, l'énigmatique vie de Raspoutine a pris fin de manière tragique. Un groupe de conspirateurs a organisé son meurtre brutal, espérant ainsi mettre fin à son influence sur la cour impériale. Les détails de sa mort restent obscurs. Certains disent qu'il a été empoisonné, poignardé et finalement noyé dans la Neva.
D'autres théories suggèrent qu'il aurait survécu à ses attaques initiales et aurait succombé à la noyade. La mort de Rasputin a eu des conséquences profondes. Elle n'a pas seulement marqué la fin de sa vie, mais aussi la fin d'une ère pour la Russie impériale. Ainsi, le 2 mars 1917, 3 mois après l'assassinat de Rasputin, le tsar Nicolas II abdique, marquant le début d'une période de bouleversement majeur en Russie. Malgré sa mort tragique, Rasputin a laissé un héritage durable. Il est devenu une figure légendaire de l'histoire russe, inspirant d'innombrables récits, films et œuvres d'art. Saviez-vous que Rasputin était réputé pour sa grande taille et sa force physique impressionnante, ou que sa voix hypnotique pouvait capter n'importe qui? Ces détails fascinants contribuent à son mystère. Son influence s'étend bien au-delà de l'histoire russe. Rasputin est devenu un symbole de la fascination humaine pour l'obscurité et le mystère. En résumé, Rasputin demeure une figure énigmatique de l'histoire russe, laissant derrière lui un héritage complexe et controversé. Son influence sur la Russie impériale ne peut être sous-estimée. Et vous, quel est votre avis? Partagez-le dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, et à bientôt!